Bonjour cher ami, comment allez-vous? Bah, très bien, ça va. J'étais inquiet avec la météo, parce que quand je vois le ciel, mais là ça va, ça a l'air de se maintenir, il ne devrait pas y avoir de pluie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez raison, c'est le moment idéal pour tailler les buis, comme vous seul savez le faire, n'est-ce pas? Oui, et quand je vois votre jardin, je me dis qu'il y a pas mal de travail. D'ailleurs, je vais aller tout de suite chercher mes outils. Allez-y, prenez vos beaux outils et allez-y gaiement. Merci. Dites-moi, monsieur Eric, vous m'aviez pas dit que vous étiez acheté une nouvelle Jeep? Ma Jeep? Quelle Jeep? Bah celle-là, la voiture orange, c'est bien une Jeep, non? Mais vous n'y êtes pas du tout, c'est mon nouveau Dacia Duster. Je suis le premier client français. Ah, c'est marrant ça, parce que justement, moi aussi je roule en Duster. Enfin, moi j'ai l'ancien, mais c'est la première fois que je le vois en vrai, là, ce nouveau là. Je l'avais vu des photos sur l'internet de l'Argus, mais je peux aller voir? Mais bien sûr, faites-vous plaisir. Cher ami, venez voir cette merveille. Je l'ai pris toute option, jante à lutte 17 pouces, peinture métallisée orange Atacama, ça vous amène au Chili en toile de fond, la cordillère des Andes, ça lui confère un look superbe. Ouais, je vois ça, il est pas mal. Par contre, il a l'air quand même beaucoup plus grand que le mien. Vous l'avez pris en 7 places en fait, c'est ça? Vous n'y êtes pas du tout, cher ami. Prenez votre cordeau et vous verrez que la longueur est strictement la même, 4,32 m. Cher ami, vous allez le constater par vous-même. Regardez. Coffre bien assez vaste. Mais certainement pas pour accueillir deux strapontins supplémentaires. Finalement, ce Duster à cette place, c'est un délire de journaliste. Ah oui? Ah peut-être, mais j'ai l'impression quand même que le coffre est plus petit que dans le mien. Hein. Je peux pas dire, mais... Vous avez le compas dans l'œil, cher ami. Ah. Effectivement, les feutrines sont plus épaisses. Ils ont augmenté les insonorisants. Ouais. Ça permet d'avoir beaucoup plus de confort en roulant. On entend moins de bruit parasite. C'est beaucoup mieux. D'accord, ok. Oui. Est-ce que je peux demander une petite faveur? Dites-moi, cher ami. Est-ce que je pourrais rentrer à bord du Duster pour voir un peu ce que ça vaut? Mais avec grand plaisir, cher ami. Je vous en prie, installez-vous, vous allez en prendre plein les mirettes. Ah, il est pas mal. Ah, mais c'est ouvert. Monsieur Eric, moi, je ferais vous une petite remarque comme ça, mais je fermerai le véhicule parce qu'avec tous les vols qu'il y a aujourd'hui, c'est pas très sûr quand même. Écoutez, hein. Cher ami, vous êtes vraiment resté dans les années 90. Aujourd'hui, il y a la carte main libre, plus besoin de biper, plus besoin de... Ça fonctionne automatiquement, c'est très pratique. Ah oui, j'aime bien. Ah, c'est fou. Encore, je trouvais que l'extérieur, ça changeait pas trop par rapport au mien. Mais là, c'est complètement différent, quoi. La planche de bord, elle fait plus moderne. Je vois qu'il y a aussi des nouveaux compteurs. Trois aérateurs, ça fait vraiment sport. Et encore, cher ami, vous n'avez pas tout vu. Regardez-moi ces commandes de climatisation automatique. Ouais. On dirait une Audi. Et puis là, il y a même une commande spéciale, le contrôle de vitesse en descente. Je peux vous dire, quand je suis en pleine partie de chasse à course, c'est très utile. Ouais. Et je vois qu'il y a aussi un volant qui se règle en hauteur et profondeur. Allez, ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est vraiment pratique. On a une bonne position de conduite. Ouais, on est bien installé. Hein. Confort postural, il gagne énormément. Ouais. Et l'écran, j'ai l'impression qu'il est placé un peu plus haut que dans la mienne. Par contre, c'est pas le même. Alors, l'écran a été remonté en effet, mais c'est le même que dans le vôtre. Par contre, il y a une nouvelle fonction, 4 caméras. Ça permet d'avoir une bonne redéfinition des contours du véhicule. On voit parfaitement à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Je peux vous dire qu'en manœuvre, vous y gagnez vraiment. Ah, j'imagine. Monsieur Eric? Je dois vous avouer, je suis quand même bien séduit par le Duster. Vous m'avez convaincu là et je pense que je vais finir par vendre le mien et puis acheter le nouveau. Mais comment dire, avant d'acheter, je ferai bien un petit essai. Est-ce que vous pourriez me prêter vos clés? Enfin, votre carte, je veux dire. Cher ami, c'eût été avec plaisir, mais je crois que vous avez déjà fort à faire avec mon jardin. D'ailleurs, je crois que vous avez pris du retard. Je ne manquerai pas de vous communiquer, si ça vous fait plaisir, les premiers essais par mes amis de l'Argus.fr. Je crois que ça sera fin novembre si je ne m'abuse. Désolé, vous avez raison, j'y vais tout de suite. Allez, cher ami, bon courage, mettez-y du cœur à l'ouvrage. Merci, monsieur Eric. Et puis, quant au public, n'hésitez pas à liker notre vidéo sur les réseaux sociaux. C'est vous le jardinier? Ah, pas du tout, vous y êtes pas là. Je suis pilote de chasse, moi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Secrets d'Histoire, ici au cœur des Yvelines, dans ce domaine médiéval qui a fait les grands jours du grand siècle. Des princes mérovingiens, Charlemagne, les Capétiens, c'est une foultitude de l'histoire que je vous invite à découvrir dès maintenant.